Bonsoir tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va mes amours? J'ai fait quelque chose aujourd'hui. Je vais vous faire une vidéo que je n'avais encore jamais fait. Les hauls courses. Alors les hauls courses, moi je ne savais même pas ce que c'est il y a quelque temps encore. En fait, j'étais chez Ikea aujourd'hui. Je me suis fait une orgie d'Ikea. J'adore Ikea. Ça faisait longtemps que je ne suis pas allée. Je crois que la dernière fois que je suis allé chez Ikea, c'était il y a plus qu'un an à Hambourg. Donc vous voyez, ça remonte. C'était l'année dernière, en octobre. Non, même pas l'année dernière, en 2017, octobre 2017. Alors, donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Ikea. Donc voilà. Mon gros sac Ikea, bien évidemment, comme je suis parti avec rien, juste mon porte-monnaie, j'ai dû acheter un sac Ikea, mais ça peut toujours servir. Alors voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà, hop, un support pour l'ordinateur portable. Bien. Je ne veux pas l'utiliser comme ça parce que pour utiliser mon ordinateur comme ça sur mes genoux, j'ai déjà autre chose depuis longtemps, aussi de chez Ikea. Mais ça, c'est bien pour utiliser sur la table. C'est parfait. Ensuite, ça, c'est joli, n'est-ce pas? Ah, oh, j'adore. J'ai flashé là-dessus. Vous avez vu ça, comment ça s'accorde bien avec mon tissu là derrière. C'est qu'en fait, je vais le découper et il va venir ici. Attendez, je mets un peu de lumière. Voilà, il va venir ici remplacer celui-là. Voilà. Alors, ensuite, quoi d'autre? Ça, c'est la facture. Ça, c'est un rangement. Je flashe là-dessus. Je trouve super joli. Un petit rangement qui va aller là derrière. Hein, voilà, qui va remplacer une boîte en plastique. C'est en tissu. C'est très joli. J'aime beaucoup. Nouveau dessin. Des dessins. Ça, c'est la gourmandise. Ça. Il y a des noix, des raisins. Des petits baies, des amandes, c'est super bon, j'adore ça. Voilà. Ensuite, ah, je pouvais pas résister au chocolat. J'adore le chocolat. Après, quoi d'autre? Ça, sac de congélation, petit modèle. Ah, vraiment tout petit modèle, tout petit modèle. Voilà. Parce que ce que j'ai là, j'ai grand modèle et des fois c'est un peu grand. Mais attendez, je vais enlever ça parce que ça glisse. Ensuite, ça, c'est un petit batteur pour battre le lait, pour me faire mon cappuccino. Voilà. Ambre m'avait offert un il y a un an ou un an et demi, je ne sais plus comment, ça fait un moment. Oh, ça fait un an et demi. Ah oui, peut-être même plus. Et en fait, il a rendu l'âme. Je me suis tellement servi, il a rendu l'âme. Donc, il faut mettre les piles. Et c'est un mini batteur là. C'est super bien. Ensuite, des bougies chauffe-plat. Ah, joli, solde Noël. Voilà. Ensuite, ça c'est super bon. C'est du hareng dans une sauce moutarde. J'adore ça. Ensuite, ah, ça aussi. Faut pas que je donne à Ambre parce qu'il y a la cannelle dedans. Dans les petits. Petit gâteau à la cannelle. Super bon aussi. Ça, il y a toute l'année. Et pour finir, nouvelle planche à découper.
Hop. Hop. C'est grand modèle. Mais c'est souple. Celui que j'ai, ça fait un moment que je l'ai. Elle commence à être assez abîmée. Voilà. Commence à être assez abîmé. Malheureusement, il avait que en gris et en turquoise. J'aurais aimé une autre. Vous voyez là derrière, elle est là. C'est qu'en fait, je l'ai coupé en deux. J'ai deux morceaux. Parce que grand comme ça, c'était un poil trop grand. C'est pas vraiment pratique ici. Donc, ça aussi, je vais le couper en deux. Bah, je vais peut-être changer. Pour changer un peu la couleur, je vais peut-être utiliser le gris. Voilà mes courses de chez Ikea. Et pour acheter tout ça, eh bien écoutez, hein, je n'avais pour, je sais pas, 3 ou 4 heures. Mais bon, c'est comme ça. Bon, vous êtes certainement très curieux de savoir qu'est-ce que ça donne une fois monté. Eh bien voilà, ça donne ça. Petit rangement. Voilà. Super sympa et ça rentre pile poil, vous allez voir. Regardez, ça rentre pile poil dans mon tiroir. Bon, ça, ça va un peu. Hop, je vais le sortir. Voilà. Et il y a même, si vous rangez dans un autre truc, regardez là. Là, vous pouvez même mettre une étiquette. Bon, pas besoin, de toute façon, là où je le range, ici, nickel, je vois ce qu'il y a dedans par le dessus. Voilà pour le petit rangement. Ensuite, le support pour l'ordinateur, vous avez vu comment c'est super. Essayez de l'ouvrir. Ah, c'est pas facile avec une main. Attendez. Voilà, c'est super, nickel. J'ai testé déjà hier soir, c'est vraiment impeccable, parfait. Ça bouge pas, c'est costaud. Le seul truc qu'on voit pas, les petites mouins ici, là, pas le faire tomber. Là dans le coin, il y a des petites mouins. Qui me dit si l'ordinateur est allumé et dans quel état est la batterie. Mais de toute façon, ça se voit quand il est ouvert et puis quand la batterie commence à se vider, il me le signale aussi. Donc ça non plus, pas de souci. Et puis, si j'ai pas envie de jouer à l'ordinateur, pas compliqué, ça peut aussi servir pour les livres. Voilà, vous voyez. C'est parfait pour les livres. Impec. Et ensuite, le dernier, donc, le paillasson qui va remplacer ce morceau-là. Je vais le poser d'une façon qu'il voit, qu'on voit bien. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si je le coupe, si je le pose comme ça là, dans le coin, dans l'angle, dans le coin, comme il faut. Ouais. Je vais réfléchir et je vais vous montrer le résultat. Regardez comme c'est joli. Ha! J'adore. Super. Vous voyez un peu? Ah, Domino, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vois rien du tout, là. Si, il est là. Ah, j'adore. Voilà, et on retrouve les mêmes couleurs dans mon rideau. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai presque terminé. C'est macramé, maintenant. Voilà, et voilà la planche, tac tac, coupée.
Coupé en deux, un morceau un peu plus grand, un morceau un peu plus petit. J'ai fait exprès, voilà. Oui, absolument, j'ai fait exprès. Parce que ça me sert souvent pour couper le pain et des fois les légumes, ouais, surtout les légumes. Et ça me sert pour couper des choses plus petites, chorizo, saucisses, et voilà, et des choses comme ça. Voilà, donc deux parties. Ça me va très bien, c'est pile poil la taille, ça va super bien ici et ça range là derrière. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est le morceau qui reste. Je ne sais pas encore quoi faire avec. Mais c'est en sursis, je garde. Tiens, je vais peut-être habiller une boîte avec ça. Vous vous souvenez comme les boîtes que j'ai déjà fait, les boîtes à crayons, les pots à crayons. Je vais peut-être habiller ça avec. C'est pas une mauvaise idée, c'est très joli. Voilà. Domino, t'en penses quoi? Regarde-moi un peu. Non, il n'a pas envie. Il va aller au soleil. Allez suivre son chemin, regardez. Et hop, allez, vas-y. Hop là, voilà. Ah, on est bien au soleil, hein, mon petit chien. Oui, il fait toujours super beau. Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc j'ai intérêt à m'habiller correctement. Voilà, vous avez suivi mon orgie de IKEA. Oui, c'est génial. J'adore IKEA. J'adore IKEA et ça fait longtemps que je ne suis pas y aller. J'ai passé, je ne sais pas, 2-3 heures. Oh, ben c'était génial. C'était hier après-midi. C'est pour ça que les images n'étaient pas géniales, parce que je l'ai fait hier soir dans Foxy. Il faisait déjà nuit, parce que je suis arrivée ici sur le parking, il faisait presque nuit. Et aujourd'hui, je veux continuer à faire un peu du lèche-vitrine, parce que je voulais aller chez Leroy Merlin hier après-midi. Il y a un Leroy Merlin à côté de chez IKEA, comme souvent d'ailleurs, que j'ai déjà remarqué. À Bordeaux, c'est pareil, Bordeaux-Lac, c'est pareil. Le problème, c'est que c'est en travaux, l'accès est en travaux et on a accès uniquement au parking sous-sol, sauf que le parking sous-sol. Attendez, je descends et je ferme la porte pour entendre un peu moins. Ah, Domino. On a accès uniquement au parking sous-sol. Le problème, c'est que c'est limité à 2 mètres. Donc, je ne pouvais pas rentrer. J'ai fait le tour et les deux tours. J'ai tourné autour de Leroy Merlin pendant je ne sais pas combien de temps. Pas trouvé. Donc, je me suis cherché un autre magasin. Je vais aller aujourd'hui à un autre magasin de bricolage qui s'appelle Aki, que j'ai déjà vu à Palencia. À Palencia, j'avais besoin aussi d'un truc de bricolage. J'avais trouvé ça et c'est très bien. C'est un peu l'équivalent, oui, de Leroy Merlin, Monsieur Bricolage et des choses comme ça. Veldam aussi, voilà. Et je vais aller faire mon lèche-vitrine là-bas. Vous savez, il y a des femmes qui adorent faire lèche-vitrine, des boutiques et tout ça. Et bien moi, j'ai fait ma lèche-vitrine, ou mon lèche-vitrine, dans les magasins de bricolage. Bon, un petit coup d'œil sur le parking où je suis là actuellement. Il n'y a rien de spécial. En fait, c'est le parking du stade qui est là derrière. Est-ce qu'on le voit? Oh, attendez. Ouais, on le voit un petit peu là. Ça, c'est le stade derrière, là, vous voyez. Et ici, nous sommes sur le parking du stade. Donc, il n'y a rien de spécial. Ah, le vent. C'était pas calculé. Oui, Michel, je sais. J'ai déjà testé et là, j'ai oublié de le remettre, mon morceau de coton. Bon, attendez. Donc, ben, si vous voyez une différence du son entre maintenant et là, juste avant la coupure, eh bien c'est que j'ai collé un bout de coton tout simplement sur le micro de mon téléphone. Parce que j'ai fait avec mon téléphone, je n'ai pas amené la caméra, c'est Ambre qui l'a gardé. Donc je disais, là derrière,
Là, on le voit. Là, on le voit un peu. C'est le stade. Donc, je suis sur le parking du stade. Il n'y a rien de spécial, ce parking. Il n'y a pas de service. Il n'y a même pas de poubelle, rien du tout. Mais bon, on est toléré. Donc, pour une nuit, ça le fait très bien. C'est parfait. Il a vraiment rien d'intéressant. Il a le mérite d'exister. Il a le mérite qu'on peut y aller quand il n'y a pas d'événement, quand il n'y a pas de match ou quoi que ce soit d'autre. Mais sinon, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a pas de commerce, rien, absolument strictement rien. C'est un parking, tout simplement. Voilà. Et puis, là, je vais continuer de profiter que je suis à Faro, Loulé, Albufeira, je ne sais pas quoi encore. Ça se touche, tout se touche ici. C'est une grande, énorme agglomération. Et donc, je rentre. Demain, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.